Well? You don't understand, Sergeant. Nobody was lying. I told you plainly, if Rowan Morrison existed, we would know of her. You mean she doesn't exist? She's dead? You would say so. Oh, come on. She's either dead or she's not dead. Here, we do not use the word. We believe that when the human life is over, the soul returns to trees, to air, to fire, to water, to animals. So that Rowan Morrison has simply returned to the life forces in another form. You mean to say that you teach the children this stuff? Yes, I told you. It is what we believe. You never learn anything of Christianity. Only as a comparative religion. The children find it far easier to picture reincarnation than resurrection. Those rotting bodies are a great stumbling block for the childish imagination. Why, of course. And may I ask, where is the rotting body of Rowan Morrison? Why, where you'd expect it to be, in the earth. You mean in the churchyard? In a manner of speaking. No, in plain speaking. The building attached to the ground in which the body lies is no longer used for Christian worship. So whether it is still a churchyard is debatable. Daddy. Aye. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Et pourtant, moi, j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'entends. Oh, je suis fou. Oh. Oh, ton cul, c'est mon génie. Vous viendrez nous voir sauter demain? Oui. Oui, nous viendrons, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui, je suis ravie d'y aller. Quel est le saut, mettons, le plus dangereux que vous exécutez? Le saut à la cape, oui, celui qui saute Portinka. Ah, vous le faites, celui-là? Oh non, non, Mike sait le faire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la raison qui vous conduit à faire ça. Pour moi, c'est un métier. Et pour vous, monsieur Rettig, qu'est-ce que c'est, si je ne suis pas indiscret? J'avais un ami dans l'armée, un sergent. Un parachutiste, 20 ans de service. Pour lui, sauter n'était pas seulement une façon de vivre, mais aussi une façon de mourir. C'est une chose très rare. Très intéressant. On est toujours libre de mourir quand on refuse de vivre. Vous croyez ça? C'est archi faux. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Joyeux anniversaire Étienne. Merci Antonin, je suis ravi que tu en parles, c'est ton émission, hein, ça sera un peu ton cadeau d'anniversaire. Tu vas t'occuper de parler de certains films qui nous ont intéressés quand même. Je viens de t'offrir une Heineken. De revenir pour parler de façon un peu plus travaillée quand même sur certains films, des sorties DVD, hein, c'est quand même le gros de l'actualité cinéma en ce moment, depuis quelques temps d'ailleurs. Et on est gâtés quand même à ce niveau-là. On parlera notamment d'une des dernières sorties de la collection de Jean-Baptiste Torret chez Canal, The Wicker Man de Robin Hardy, dont on n'avait pas encore parlé dans cette émission. Hein, où il y a 10 ans. On l'avait cité, ouais. Je pense. On y reviendra en deuxième partie. On démarrera plutôt avec une sortie, à l'occasion d'une sortie hein, chez Sidonis, Le pays de la violence de John Frankenheimer,
qui date de 69, si je dis pas une connerie, ce qui nous permet, ce qui va nous permettre d'ailleurs tout de suite, hein, puisqu'on est déjà lancé, hein, de revenir un petit peu sur le bonhomme, même si on l'a déjà fait il y a pas si longtemps d'ailleurs, puisque c'est Rimini qui avait sorti Le Temps du Châtiment, c'est ça, hein, ouais. le deuxième long métrage de Frankenheimer pour le cinéma. Et là, c'était un film à Walk the Line, donc Le Pays de la Violence chez Sidonis, qui était pas, moi j'avais pas eu l'occasion de voir, hein, jusqu'ici, hein, donc c'est une très bonne chose qu'enfin ça apparaisse. D'ailleurs, je crois que Toré lui aussi apparaît, donc il est quand même au-dessus des, ouais, dans les bonus, hein, donc il est quand même un peu au-dessus de tous ses choix pour cette émission, encore une fois. Le petit salaud, il reste, il continue, hein, d'être dans le coin, et qui nous a permis aussi qui nous permettra de revenir sur d'autres films de Frankenheimer qu'on découvre, qu'on continue de découvrir. Il y a un travail toujours à faire, je crois, sur le bonhomme. L'édition de Sidonis d'ailleurs contient un petit livret. Petit livre écrit par Olivier Père, qui fait une petite biographie de Frankenheimer et sur le manque justement de certains films encore, enfin la disponibilité en tout cas de certains films chez nous et d'ailleurs ailleurs dans le monde, hein, sur les problèmes de la carrière en général de Frankenheimer, qui est très intéressant, je trouve, le bouquin d'Olivier Père. On va y revenir rapidement. Je veux bien faire un petit résumé quand même de cette carrière, même si on en avait déjà parlé. Donc ça fait partie de cette génération de cinéastes qui démarre à la télévision fin 50, début 60, comme Sidney Lumet, Arthur Penn et beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont... On peut citer Franklin Schaffner ou Sam Peckinpah aussi, hein, d'ailleurs. Sam Peckinpah, on en parle. C'est cette génération de cinéastes qui sont nés dans les années 20, en fait, qui arrivent juste après les grands classiques, en fait. C'est ça, et qui font la transition justement avec entre le Hollywood classique et puis le nouvel Hollywood. Ils sont la génération un poil au-dessus quand même, hein, et ils font leurs armes à la télévision. On en parlait avant de faire cette émission, on se disait il y a un manque d'ailleurs toujours chez nous, et je pense parmi beaucoup de spectateurs, c'est de voir un peu tous ces films qui ont été faits à la télévision. Et plus on lit des textes de ces gens, Frankenheimer, Lumet aussi, ou d'autres, moi j'ai l'impression que vraiment il y a eu un espace de liberté, en fait, qu'on a un peu de mal à imaginer, je pense, encore, parce qu'on a en tête la télévision justement qui doit répondre, je pense, à des codes, à des normes, surtout la télévision américaine, hein. Sauf que là, à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça justement que le cinéma perd un peu de poids, que les grands studios dans les années 50-60 commencent à perdre du pouvoir, c'est que la télévision devient un vrai espace de liberté, et on a affaire à des gens de talent qui sont jeunes quand même à ce moment-là, ils n'ont pas encore 40 balais, je pense, qui vont jusqu'à expérimenter vraiment à la télévision du peu d'extraits que j'ai pu voir de Lumet notamment. Il y a non seulement un savoir-faire, mais il y a un vrai talent et des envies, je pense, et un espace de liberté. De la publicité n'est pas encore en train de maîtriser complètement cette télévision américaine. Donc il y a des bonhommes, des jeunes comme ça, là, enfin des jeunes, des gens de mon âge finalement, qui vont vraiment faire des choses intéressantes. Et ils y restent un petit peu, ils vont pas tout de suite, Frankenheimer par exemple, va pas tout de suite vers le cinéma, justement, il est content de sa position à la télévision américaine. Il va faire 140 films, donc qui sont réalisés en direct, ouais, pour la télévision. C'est surtout ça, même, enfin, hein, qui est assez hallucinant et dont on a peine à prendre la pleine mesure, je pense, hein, c'est que c'est des dramatiques télévisuelles réalisées en direct, donc on pourrait dire à la limite qu'on est à mi-chemin quelque part entre le théâtre et le cinéma, hein, quelque part. C'est souvent le cas visiblement pour beaucoup de réalisations, des réalisateurs qui se contentent de faire de la captation, oui, finalement, ouais, hein, d'un plan truc large, voilà, comme au bon grand temps du cinéma caméras, des premiers temps. Une voilà, caméra plan, ouais, large, une caméra sur chaque acteur qui se donne la réplique, et puis voilà, c'est et emballé, là-dedans, il y a quand même quelques cinéastes, et dont certains ont donc du coup fait carrière et dont les noms sont maintenant ont été retenus par l'histoire, ceux qu'on a cités, et qui ont eu fait pas mal de dramatiques télévisuelles apparemment de très très grande qualité, et en tout cas ce qui paraît le plus important, je pense, même si encore une fois vu que le travail n'a pas été tellement fait, on a peine à avoir la pleine mesure de ça, ont acquis complètement leurs armes dans à la télévision en termes de mise en scène, et qui fait que on va avoir toute cette esthétique qu'ils vont pouvoir avoir, ce sens du direct qu'ils vont avoir à la télévision. C'est peut-être
peut-être aussi ça qui a fait que dès les années 60, on va avoir les prémices de ce qui va faire la saveur, en tout cas ce pourquoi le cinéma des années 70 va être reconnu, c'est-à-dire un sens d'un cinéma beaucoup plus réaliste, beaucoup plus brut, beaucoup plus proche du réel. Et c'est vrai que quand on voit certains films, même des années 60, des quelques cinéastes qu'on a cités, on est déjà là-dedans, quoi. On est déjà dans un cinéma, dans une manière d'utiliser l'image qui va pas du tout être dans cette esthétique du glamour hollywoodien, du cinéma de studio tel qu'on était habitué de le voir avec les Hitchcock ou même les Ford, bah, quelque chose de plus guindé formellement. C'est-à-dire que c'est des bonhommes qui, comme tu le disais, sont plutôt dans les années 20, qui connaissent cette histoire du cinéma américain surtout, hein, mais justement du muet, des choses comme ça. Mais en même temps, le cinéma européen, le cinéma même moderne est déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que Frankenheimer, il cite souvent, hein, les Bergman, les Antonioni, tout ça, et qui évidemment l'influence énormément. Lui, il avait un rêve visiblement, c'était quand même d'être reconnu comme un auteur et presque de devenir un cinéaste européen. Il va venir en France, même il va tenter sa chance, hein, pour aller plutôt dans cette veine-là. En sachant, mais, je pense que c'est, et ça peut-être que Frankenheimer, hein, parce qu'ils n'ont pas tous cette envie-là, mais en tout cas, ce cinéma européen est déjà parvenu jusqu'à leur... Complètement, et je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est aussi une école, la télévision, les studios de télévision sont surtout à New York, il me semble, plus qu'à Los Angeles. Et c'est culturellement, ça a son importance. C'est-à-dire que on est quand même dans à New York où la culture européenne arrive en premier. On a une scène théâtrale hyper importante à New York, et ce qui fait que l'accès à une évolution esthétique de l'histoire de la représentation, en tout cas en termes des images, de l'usage des images, que ce soit par l'apport du cinéma moderne européen ou par les approches théâtrales de différents auteurs qui apparaissent dans les années 60. Il faut voir qu'il y a un bouillonnement culturel dans les années 60 hyper important, va forcément complètement infuser tous ces cinéastes, quoi. Et l'autre truc quand même aussi, donc il y a, comme je disais, une certaine liberté quand même à la télévision américaine à ce moment-là. Il y a aussi la faculté, enfin, ils ont la capacité de travailler avec du matériel, avec des grands acteurs. On a vraiment des grands acteurs qui vont passer par les par ces je sais même pas comment on les appelle d'ailleurs, ces émissions. Je crois qu'il y a un nom spécial, mais c'est ça. Il y avait un nom spécial, ça m'échappe. Excusez-moi, c'est mon anniversaire, je suis fatigué. Le fait est que voilà, ils ont moyen, grosso modo, de faire des choses vraiment qui leur plaisent et qui sont correctes, même si c'est fait en effet en direct, s'ils enchaînent, hein, c'est comme je disais, Frankenheimer, c'est 140 films, Lumet, il a dû faire 200 films dans tous les genres différents en plus. Il y avait même du péplum, des choses comme ça, hein, quand même, pour la télévision. C'était assez fou. Il y a des extraits qui sont disponibles d'ailleurs des films de Lumet dans le documentaire qui était sorti, Lumet by Lumet. Alors c'était pas trop sorti en France, je crois, mais j'ai un truc. C'est trouvable en tout cas. En DVD, c'est trouvable. Et il y a des extraits justement où on se dit, bah oui, ça a vraiment la qualité d'un film de cinéma, je veux dire, c'est pas uniquement du gros plan télévisuel, parce que moi c'est vrai que j'avais eu longtemps ça en tête. On parlait pendant longtemps du duel de Spielberg qui aurait un petit peu révolutionné justement le téléfilm américain, parce que c'était un film de télévision duel, et que Spielberg avait pas du tout repris les codes de la télévision, à savoir le gros plan, le studio notamment. Alors là, on a affaire à beaucoup du studio pour la génération évidemment des Frankenheimer et des Lumet. Mais par contre, en termes de grammaire cinématographique, on n'est pas du tout dans ce gros plan. On utilise quand même au maximum les plans larges. On n'est pas dans les décors naturels, c'est sûr. C'est l'avancée quand même qu'avait apporté Spielberg en son temps, mais c'est beaucoup plus tard, entre guillemets, c'est 10 ans plus tard. Ouais. Chose qu'avait peut-être déjà fait aussi Hitchcock peut-être, d'ailleurs, avec sa série. Ouais. Mais voilà, il y a tout ça qui leur donne quand même envie de rester. Frankenheimer, pour rester quand même sur le bonhomme, va évidemment à un moment aller vers le cinéma. Un premier long métrage que je n'ai pas vu, qui visiblement le dégoûte un petit peu justement du cinéma, parce qu'il ne retrouve pas la même liberté qu'à la télévision, ce qui est quand même assez fou. C'est assez fou de se dire ça aujourd'hui, même si la série télé aujourd'hui reprend le truc. En même temps, on avait pu comparer les années 2010 avec les années 60, justement parce que finalement les forces en présence sont relativement similaires en termes de perte d'influence du cinéma
que le cinéma a pu connaître dans les années 60 à Hollywood et la perte d'influence qu'a pu connaître le cinéma dans les années 2010 sont dues au fait aussi qu'il y a une concurrence massive d'un autre média qui arrive. 2010, c'est les séries télé, et dans les années 60, c'est la télévision qui vient concurrencer. Il y a pas les séries télé, parce que c'est les films faits pour des plateformes directement. C'est-à-dire qu'on est moins soumis justement à un diktat du distributeur, de l'exploitant, de n'importe quoi. Donc c'est vrai que les plateformes, même si aujourd'hui la qualité n'est pas forcément là, il y a une liberté sans doute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cinéastes qui peuvent aller vers Netflix, parce que là il y a une liberté qui est offerte. Après, la qualité n'est pas forcément là. Je pense que la comparaison s'arrête là, dans le sens où les plateformes donnent la liberté à des auteurs qui sont déjà reconnus et qui ont été reconnus par le cinéma. Oui, alors qu'avant, c'était juste des petits jeunes qui passaient par là. Et évidemment, la même situation. Mais je pense qu'en effet, il y a un parallèle à faire, léger parallèle, mais il y a quand même. Bref, Frankenheimer va vers le cinéma, revient un peu vers la télé, et puis son deuxième long métrage, Le Temps du Châtiment, avec Burt Lancaster, rencontre avec Burt Lancaster. Ils feront 4 ou 5 films ensemble, je crois, malgré des conflits, parce que Burt Lancaster est quand même pas quelqu'un de facile, visiblement. Mais voilà, ça va lancer sa carrière. Il va connaître très tôt quand même des succès, avec une trilogie, notamment du Paranoïaque, donc on avait Un crime dans la tête, Secondes et 7 jours en mai. Il va y avoir des choses comme ça. Le prisonnier d'Alcatraz était un succès, ça, pour le coup, parce que je crois que Secondes, c'était pas un succès. Non, Secondes, c'était le début. Enfin, c'était le début. C'était un peu trop compliqué. J'espère qu'on aura l'occasion un jour d'y revenir un peu plus longuement sur Secondes. On en avait déjà parlé, je sais. Il a eu le droit à une ressortie en salle. C'était Lost Film, je crois, qui a sorti ça. Mais toujours pas d'objet physique, DVD, Blu-ray chez nous pour le moment. Alors que le film est disponible, notamment une très belle édition chez Criterion en Angleterre aussi, il est ressorti d'ailleurs. Donc bref, il est disponible. C'est regardez, un film assez fou, évidemment. Regardez Secondes, si vous ne l'avez pas vu, l'Opération Diabolique en écrit français. Écrit par Richard Matheson, un truc complètement dingue. C'est un truc complètement dingue. Et donc là, on arrive un petit peu à cette fin des années 60 où il va rencontrer ses vrais premiers échecs. Et celui qui nous intéresse presque le plus, donc, qui réalise juste avant I Walk the Line, Le Pays de la Violence, qui ressort chez Sidonis. Le titre français, je crois, c'est Les parachutistes arrivent. Ce qui est pas en titre original, c'est The Gypsy Moth, quelque chose je suis convaincu de prononcer très très mal, mais je crois que ça veut dire les mythes gitanes. Un film, encore une fois, donc c'est le dernier film qu'il fait avec Burt Lancaster, donc on est en 69, je crois. Il avait déjà fait Le Train avec Burt Lancaster. Il a fait 7 jours en mai, voilà, il y avait donc Le Temps du Châtiment, il y en a encore et un. Et Le Prisonnier d'Alcatraz. Donc ça fait 5 films. Là, c'est le dernier. Burt Lancaster, Deborah Kerr, Gene Hackman dans l'un de ses premiers rôles. Il n'a pas encore fait French Connection, justement. Et puis j'ai oublié le nom du petit jeune d'ailleurs, le Scott Wilson. Scott Wilson, qui est vraiment super, et la jeune Bonnie Bedelia, donc qui doit avoir 16 ans, qui jouera 20 ans plus tard la femme de John McClane. Un film qui est vraiment très surprenant, qui pour l'instant n'est pas disponible non plus chez nous, qui a été un gros échec à sa sortie, qui tombe au mauvais moment. En 69, c'est justement le nouvel Hollywood qui explose. Sauf que là, on se retrouve avec des acteurs du vieil Hollywood, entre guillemets, même si Burt Lancaster continuera et reste quelqu'un de formidable. Mais Deborah Kerr, c'est vrai qu'elle est plutôt associée au Narcisse Noir, à Elle et Lui, et puis des choses de ce genre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je conseille à tout le monde d'aller fouiller. Alors, c'était une émission qui avait été diffusée sur France Culture il y a peut-être 10 ans, qui était disponible toujours en podcast. C'est peut-être bien Charlotte Garçon qui avait fait ça, une émission de 1 heure consacrée à Deborah Kerr, qui était un hommage d'1 heure. On aurait presque dû diffuser un extrait de cette émission qui m'a fait pleurer. C'était un des rares podcasts, je pense, où j'ai versé ma petite larme de déclaration d'amour d'1 heure à Deborah Kerr. C'était absolument magnifique. Et je conseille à tout le monde de revoir aussi Elle et Lui, bien évidemment. Tu me disais, quand on préparait cette émission, d'ailleurs, qu'il y avait l'original, enfin, la première version qui ressortait de Doug McCarey. Mais voir la deuxième version avec Cary Grant. Et bref, je crois que c'était Charlotte Garçon, j'ai un doute, mais je crois que c'était elle. Et c'était superbe. Bref, Deborah Kerr, qui est très surprenante aussi, sans vouloir trop déflorer l'intrigue, mais ça va être compliqué de parler du film et de toutes ses qualités sans trop en dire. Donc, je vous conseille à tous d'arrêter l'émission et d'aller voir les parachutistes arrivent. Mais une scène olé olé entre Burt Lancaster et Deborah Kerr, qui a plus de 50 ans à l'époque, donc on est fin des années 60, c'est surprenant de voir ça dans le cinéma américain déjà. C'est surprenant de voir Deborah Kerr dans un rôle comme ça, et une scène qui est très très belle, comme beaucoup d'autres scènes dans le film, mais juste voilà, la première qui me vient en tête, c'est quand même cette scène olé olé, et qui me même aujourd'hui serait surprenante, quoi. Ouais, complètement. Enfin, les parachutistes arrivent, c'est vraiment un film assez fantastique, que du coup on a des
découvert un peu dans la lignée du pays de la violence, I Walk the Line, qui sur le papier est beaucoup plus bandant, j'ai envie de dire, et qui est donc celui qui a le droit à une édition chez Sidonis. Mais tous les deux, en tout cas, témoignent du l'exact entre-deux dans lequel se trouve Frankenheimer et son esthétique à l'époque. Et en fait, les deux expliquent, pour les deux, on s'explique très bien pourquoi ils ont été des échecs, à la fois public et à la fois esthétique dans le cas du pays de la violence, hein, et critique. C'est des films qui ne sont pas du tout à capter pour l'époque. Pour aller sur le pays de la violence, pourquoi je dis que c'est bandant sur le papier, parce que c'est un film qui déjà a un truc qui est qui a beaucoup de brillance, c'est que c'est la bande originale est confiée à Johnny Cash. I Walk the Line, c'est donc tiré de son morceau, son tube. Le tube préexistait évidemment à l'existence du film, mais ils ont décidé de donner le nom du morceau au film et à confier à Johnny Cash l'écriture d'un seul morceau inédit, il me semble, et ils ont repris plusieurs morceaux de Johnny Cash dans le film. Et c'est une sorte de récit d'un shérif je sais plus où ça se passe. C'est un petit peu, c'est dans le Tennessee. Dans le Tennessee, mais vraiment dans un endroit où on se croirait dans les décors de Délivrance, c'est-à-dire vraiment la Dust Belt, je crois on appelle ça aux États-Unis. Oui. L'endroit complètement désindustrialisé, qu'on subit la dépression de plein fouet et qui a été resté dans une bulle de temps depuis 40 ans. Donc on est vraiment dans ce truc redneck total. On sent bien l'abandon total, marasme économique. Les bâtiments qui sont détruits. Des gens qui survivent en étant bouilleurs de cru un peu, les moonshiners qui font de l'alcool de contrebande, et Gregory Peck, vu que c'est l'acteur principal, va tomber amoureux d'une jeune adolescente qui est elle-même fille de bouilleur de cru. Alors c'est un film extrêmement étrange que je trouve passionnant en termes esthétiques, mais complètement raté en fait. C'est un film qui ne marche pas du tout, mais qui est passionnant parce que on se dit mais c'est incroyable déjà l'usage qu'il fait des chansons de Johnny Cash, parce qu'elles agissent de façon complètement moderne, c'est-à-dire c'est un commentaire presque brechtien sur l'action qui est en cours. Donc on a un effet de distanciation qui est complètement à l'encontre de l'esthétique hollywoodienne classique. On a une esthétique complètement documentaire qui fait que tous les plans parce que justement il mélange quand même les deux, justement, hein, ouais. Mais en fait ce que je voulais prendre, c'est vraiment ce côté là complètement documentaire de tous les plans des habitants, parce que lui il va vraiment aller filmer les habitants, il n'est pas dans la reconstitution, des habitants qui sont sur leur perron, sûrement basés sur les photos très connues de je ne sais plus qui, tellement il est connu, mais qui sont vraiment des plans saisissants de rudesse, de un côté brut vraiment très très fort, qui sont prises à l'arraché, hein, prises à l'arraché complètement, qui fait un super travail, qui va filmer les gens sur leur perron, qui des gens qui attendent, on ne sait pas quoi. Et ça voilà, on a ce cadre-là, à la fois ce truc un peu distancié des chansons de Johnny Cash, un truc vraiment, on a l'impression, on y croit. Vraiment, hein. Et par-dessus ça, on a une histoire qui, pour le coup, auquel on ne croit pas du tout, d'autant plus qu'elle est portée par un acteur qui n'est pas du tout à sa place, qui est donc Gregory Peck, qui n'est pas l'acteur hollywoodien que moi je préfère, qui a fait des très grands films, hein, Les Grands Espaces de William Wyler, mais par contre, qui a un type d'acteur complètement hollywoodien, qui est un type de jeu complètement hollywoodien, c'est-à-dire un jeu relativement raide, un jeu on va dire que Gregory Peck, c'est la génération après, on va dire James Stewart et tout, et c'est presque une sorte de, c'est Gregory Peck, c'est celui qui vient remplacer James Stewart 10 ans après, quoi. Il a cette sorte de raideur et une façon de jouer avec son visage assez j'ai envie de dire géométrique, à défaut de trouver un autre mot plus exact, mais relativement expressif, et un mode de jeu antinaturaliste au possible, quoi, et qui ne se font absolument pas du tout dans l'esthétique, l'esthétique très rude de la photographie et des décors qui sont choisis, et d'autant que Gregory Peck trimballe avec lui une sorte de noblesse héritée du star system, c'est-à-dire que il porte dans son corps le fait que ça soit une star, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que finalement dans ces acteurs-là, pareil, d'entre deux, et je mettrais Burt Lancaster là-dedans, moi Burt Lancaster qui est un acteur que je peux adoré dans plein de films et avoir, pour lequel j'ai beaucoup de réserves dans d'autres, c'est que Burt Lancaster, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est dans le pur acteur d'entre deux pour moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par sa volonté, en tout cas par ses choix, a vraiment voulu donner un coup de pied dans l'esthétique hollywoodienne, à tel point qu'il est allé en Europe tourner avec Visconti par exemple.
mais même dans ses choix de films hollywoodiens. Dans les années 70, c'est vraiment le personnage névrosé qui va... Complètement, il est allé toujours incarner des cinéastes névrosés. Il est allé même plus loin. Kirk Douglas a pu faire ça aussi, mais il est allé encore plus loin. Cette image d'acteur classique. Complètement. Alors même que le corps de Burt Lancaster incarne complètement cette idée de la star Rider, hollywoodienne. Justement. Il est sculptural, il a un physique de dieu grec, il a clairement cette stature complètement iconique de base, quoi. Burt Lancaster, c'est un visage et un corps absolument mémorable. Envie de le tailler sur une pièce, quoi. Complètement. Ce qui fait qu'il est à contre-courant, par exemple, enfin, en tout cas, c'est typiquement le type d'acteur que contre lequel va combattre le Nouvel Hollywood quand vraiment les auteurs du Nouvel Hollywood vont arriver. C'est pour ça que Les Parachutistes arrivent, par exemple, est un film fascinant, parce qu'à la fois, on a le Burt Lancaster qui incarne cette sorte de héros, et lui, il est vraiment dans cette figure-là, héros presque tragique, presque pas à sa place, à tel point que, bon, voilà. Et il va être en place de l'acteur star, qui va être l'acteur star des années 70, aux côtés de gens comme Pacino, De Niro, c'est-à-dire les common people, c'est-à-dire Gene Hackman. C'est-à-dire Gene Hackman, physiquement, clairement, c'est l'homme, c'est même pas l'homme de la rue. Il ressemble à un docker, il ressemble à rien. Et c'est lui qui va être, effectivement, parce que c'est un acteur incroyable, et il est incroyable dans Les Parachutistes arrivent. Mais clairement, physiquement, ce type, Gene Hackman, par exemple, n'aurait absolument jamais été une star 10 ans, 15 ans auparavant dans le système hollywoodien. C'est impossible. Et ce qui est amusant, c'est que quand on connaît un peu l'histoire du cinéma hollywoodien, quand on se renseigne un peu comment c'est fait, sur le cinéma américain des années 70, par exemple, on voit beaucoup d'auteurs, je pense à Coppola, par exemple, qui s'est vachement battu pour imposer Pacino dans le rôle de Michael, alors qu'on voulait lui mettre, et là c'est dommage parce que j'ai oublié le nom lecteur, mais on voulait lui imposer peut-être des Paul Newman, par exemple. On voulait lui imposer Paul Newman pour jouer Pacino dans Le Parrain. Et lui, il a dû se battre parce que Pacino était absolument pas connu. Il voulait, mais non, il faut quelqu'un qui soit un homme de la rue. Paul Newman, c'est une star. C'est une star, et physiquement, il le porte sur son visage que c'est une star. Donc il faut aller dans un autre type de comédien. Et clairement, c'est un combat que Coppola a gagné pour Le Parrain, mais que Frankenheimer a perdu pour I Walk the Line, parce que lui, il voulait Gene Hackman. Et il a eu Gregory Peck, la production lui a instauré, lui a imposé Gregory Peck. Et clairement, ça fout le film un peu en l'air, quoi. On peut même pas dire que c'est la faute de Gregory Peck, on se dit, mais en fait, c'est juste pas possible que cet acteur-là existe là-dedans. Et puis il offre presque à certains moments quelque chose d'étrange, parce que justement, il y a ce côté... c'est justement ce côté star hollywoodienne qui le rend presque... il peut pas être comme s'il pouvait pas être atteint par tous les drames qui s'imposent au personnage. On n'y croit pas particulièrement. Et d'un coup, justement, cette figure de star hollywoodienne classique, perdue dans ce monde, d'un coup, ça devient... Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Et justement, la transition, elle est là. Comme pour Burt Lancaster, d'ailleurs. Mais Burt Lancaster le comprend beaucoup mieux, je pense, que Gregory Peck. T'as souvent l'impression qu'il comprend pas ce qui lui arrive dans ce film, en fait. Mais du coup, ça colle un minimum avec son personnage, qui justement est un bonhomme qui est installé, qui a sa famille, qui a un trauma quand même, hein. Évidemment, il a perdu toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, bref, il a un trauma. Mais bon, c'est quand même un shérif installé dans une société américaine classique, qui d'un coup va être troublé par l'arrivée d'une apparition presque, hein, qui est Tuesday Weld. Et il sait pas du tout comment réagir, il se laisse embarquer comme ça par quelque chose qui le dépasse complètement, en fait. Et d'un coup, tu te dis, ça pourrait fonctionner en théorie, justement, hein, complètement même, et c'est troublant à certains moments, et il y a des petites scènes un peu choc, notamment sur le final du film, où là, d'un coup, mais je trouve que ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur des moments beaucoup plus intimes, justement, où on est censé voir ce personnage vivre une espèce de passion, ça ne fonctionne pas vraiment, parce que l'acteur, en effet, ne sait pas se comporter face à la caméra, face au décor qu'il a, en fait. En fait, c'est comme si c'est l'acteur de Duel au Soleil, quoi. Et Duel au Soleil est
clairement un film où il a sa place parce que c'est hyper expressionniste comme film. Et là, on n'est pas dans un film expressionniste, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce dysfonctionnement quelque part, alors que tout ce qu'il y a autour, par contre, tous les acteurs secondaires, tous les décors, la mise en scène, certaines, je pense à la séquence, vraiment tout le dernier quart d'heure, que je trouve extrêmement réussi, en fait. La poursuite est complètement folle, alors qu'il t'as une voiture qui traverse tout le territoire. Cette voiture du flic qui traverse tout le territoire, mais en face de lui, il n'y a personne, en fait. C'est-à-dire qu'il essaye de rattraper quelqu'un, mais du coup, on la voit, cette voiture, galoper. C'est extrêmement bien filmé. Ouais, c'est extrêmement bien fait. Mais Oppenheimer est un grand metteur en scène, je pense, vraiment, quoi. Il y a quelque chose de presque fantastique qui enfin apparaît, en fait, dans le film. Puis des excès de violence d'un coup, comme ça, brut, rapide, qui fonctionne très, ouais, très bien. Ouais, mais t'as vraiment ce côté-là. Et de toute façon, Frankenheimer, à la limite, c'est presque l'image qu'on peut en ressortir. Je pense que quand on connaît modérément sa filmographie, en fait, c'est l'auteur de Ronin, quoi, avec Jean Reno et Robert De Niro, qui fait des séquences de poursuites en bagnole dans Paris, ou Grand Prix, et ou French Connection 2, où il y a des scènes de course-poursuite et tout. Enfin, il y a ce côté-là chez lui, metteur en scène hollywoodien, qui est très longue, hein, et c'est pour ça que c'est assez facile. Parce que ça couvre les années 60 jusqu'aux années 2000. Il est retourné à la télévision dans les années 90. Complètement. Hein, il a travaillé pour HBO, il a fait des choses très très chouettes. Il a une palette très très vaste, et effectivement, ça va presque une servitude totale d'un scénario, ce côté très artisan hollywoodien qui sait raconter une histoire de la façon la plus directe possible, et à expérimentateur total dans Seagulls, par exemple, avec des scènes un peu psychédéliques et des moments où il va vraiment carrément aller dans une sorte de côté très expressionniste dans sa mise en scène, et une sorte de mélange des genres où on a l'impression que en lui il va se combattre plusieurs esthétiques du cinéma à chaque fois qui sont en cours dans les années 60. C'est vraiment ce côté le cinéma moderne néo-réaliste italien qui va se combattre avec une esthétique hollywoodienne plus glamour. Les parachutistes arrivent, ça va vraiment être ce côté la vieille gloire hollywoodienne qui sombre avec la nouvelle génération qui arrive avec Gene Hackman. On a des esthétiques qui arrivent, et en même temps, toujours dans Les Parachutistes arrivent, une science pour monter l'action qui est délirante, parce que je ne sais plus si on l'a trop signalé, mais les scènes de parachutisme sont juste dingues, en fait. Elles sont d'une tension phénoménale, et là on voit qu'il y a un talent artisanal pour mettre en place une tension qui est en plus dédoublée, parce que les personnages sont tellement bien écrits qu'on est vraiment complètement impliqué émotionnellement, et on est quand même dans une palette relativement vaste qui pas toujours réussi, qui fait une carrière un peu brinque-ballante, mais à chaque fois que moi je replonge dans ses films, je me dis ouais, c'est toujours un peu intéressant, et des fois c'est réussi. Et ce sur quoi on est parvenu, qui a cours au moins en tout cas jusqu'à I Walk the Line, parce qu'il en fait en partie, c'est la noirceur absolue, en fait, de son cinéma, et sur ces deux objets en particulier, hein, c'est qui vraiment sont très intéressants, parce qu'il les enchaîne. Et puis le truc qu'on n'a pas dit aussi, qui est dit par Olivier Père dans le bouquin, c'est que c'est un moment de sa vie où il va très très mal, c'est que en 68, Frankenheimer est très copain avec Robert Kennedy, doit l'accompagner justement sur sa campagne, doit l'aider justement à faire tout son travail de promotion audiovisuelle, et il l'accompagne juste avant, en fait, qu'il se fasse flinguer Robert Kennedy. A priori, ça le touche un peu poil quand même. Le monsieur commence à boire énormément, tout le bordel. Enfin, on imagine assez bien quand même que ça soit pas trop la fête. Et c'est à ce moment-là quand même qu'il se met à travailler justement sur les parachutistes. Mais même avant ça, de toute façon, il y avait quelque chose d'un peu désespéré dans son cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort, il a des personnages qui très régulièrement quand même ont des envies de liberté. Seconde, on retrouve complètement ça. Enfin, de reprendre leur vie à zéro, de tout changer, ou en tout cas de pouvoir garder contrôle sur leur vie, quelque chose comme ça, et de choisir le chemin qu'ils ont envie de choisir. Sauf qu'à partir du moment où ils sortent des rails ou du rôle qu'on leur avait donné, ça part en cacahuète et ça se finit très très mal. Et on retrouve exactement ça dans cette film-là. Et I Walk the Line représente quand même très très bien ça, quoi. C'est à partir du moment où le personnage sort de son rôle de shérif et de mari et qui ne suit pas exactement ce qu'on lui a demandé de faire, ou ce qu'il est censé faire,
tout part en cacahuète et pas uniquement pour lui. En plus, ils détruisent ce qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très très bien dans les parachutistes. C'est qu'à partir du moment où un personnage, en effet, ne fait pas ce qu'il était censé faire et faillit, son entourage est extrêmement touché. On nous montre aussi constamment ça dans son film. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, qui rend aussi son cinéma extrêmement triste. Les parachutistes, c'est quand même triste, quoi. Et je pense que ça c'est sûrement un... Après, c'est une question que je me pose, hein, mais pourquoi Frankenheimer n'a pas réussi à transformer l'essai ou n'a pas vraiment la stature qui pourrait mériter un petit peu. C'est aussi que, par exemple, un film comme Les Parachutistes arrivent, pourquoi c'est absolument pas connu? C'est aussi parce que c'est un film qui est désespérant. Et je pense que quand on dit souvent le cinéma des années 70, c'est un film qui va contre la joliesse du cinéma hollywoodien, qui ose les anti-héros, qui ose le côté très, très noir. Mais en fait, oui, mais ça reste des propositions cinématographiques toujours très romanesques, très généreuses. Quand je prends French Connection ou Le Parrain ou tout ça, on est quand même dans une offre de cinéma qui en jette un petit peu. Et par exemple, c'est assez amusant de comparer par exemple French Connection 1 de William Friedkin, pur cinéaste du Nouvel Hollywood, et French Connection 2 de Frankenheimer, qui doit avoir 10 ans de plus que Friedkin, ou 20 ans. Et clairement, French Connection 2, il est complètement désespérant, ce film. C'est très très triste. C'est déprimant, c'est Gene Hackman, il est au fond du trou. Il est complètement au fond du trou. Il y a une partie du film où il est junkie, on le force à être accro. Et French Connection, c'est un film qui a été un succès au box-office énorme, alors même que c'est le parangon du cinéma très brutal, très amoral, quelque part. Enfin, vraiment, le policier hard-boiled. Et en fait, pas tant que ça, parce que de toute façon, il y a une énergie. Non, mais c'est déstabilisant. Dans... Hein. French Connection reste déstabilisant. Oui, déstabilisant. Dans son final, notamment. Bien sûr. Mais il y a quand même un truc qui fait que, en termes de spectacle, ça marche. Et alors que il y a une tristesse qui n'est pas là. Alors que il y a une tristesse chez Frankenheimer qui est consubstantielle de son cinéma et dans lequel on peut-être trouver une origine effectivement biographique dans ce côté-là. Oui, oui. À savoir que c'est une génération. Après, c'est quelque chose qui était présent, tu vois, en effet. Seconds, c'est 64 ou 66, mais en tout cas, c'est avant Kennedy, avant Robert Kennedy. Et Seconds, déjà, c'est quand même une histoire complètement folle d'un type qui décide de repartir de zéro, de changer de corps, de visage, de vie. Et puis, non, ça marche pas, c'est un échec. Quoi. C'est ça que ça raconte, c'est la deuxième chance est impossible quand même. Hein. Et c'est marrant parce que je pense que c'est aussi une génération qui, pour peu qu'on soit un peu libéraux dans ces années là, contrairement à, on sait que l'influence qu'a pu avoir le meurtre de l'assassinat de, pour le coup, JFK sur la génération, Jean-Baptiste Thorin a beaucoup parlé, a beaucoup théorisé ça, mais on se dit, voilà, cette génération là, les Coppola, les De Palma, les Scorsese, ils ont vécu ça, ils étaient tout jeunes en fait, alors que la génération des Frankenheimer, des Lumet, d'Arthur Penn, ils l'ont, et Schaffner aussi, hein, oui. qui bossait avec Kennedy, qui mettait en scène des gens qui étaient proches de qui ça, étaient proches de ça, hein. Qui ont eu beaucoup d'espoir en fait, et eux qui ont vu ça, qui ont vécu la désillusion et la mort de leur espoir de façon complètement frontale, et qui ont du coup fatalement, en fait, c'est pas du tout la même chose d'avoir vécu quelque chose en direct et de l'avoir vécu dans des souvenirs d'enfance, en fait, quelque part. C'est que on est dans images. Un cinéma, c'est à dire que De Palma par exemple, c'est via des images, c'est les images qui l'intéressent, alors que eux, c'est quelque chose qui, en effet, c'est du concret qu'ils ont vécu, du coup, quoi. On est dans un rapport très désillusionné et qui ne peut être absolument pas bankable, quoi. Bon, il est temps qu'on fasse une pause. En plus, tu nous as prévu une pause un petit peu longue, excuse-moi de le dire. Hein. C'est comme ça que. Carrément, hyper longue. Quand on a une pause qui fait 6 minutes, on dit qu'elle est un peu longue. À partir d'une musique, notamment de The Wicker Man, dont on va parler un petit peu après. Hein. Je te laisse peut-être présenter quand même cette chose. Ah, bah, je présente rien du tout. Je pause vous laisse super, en merci. Profiter. C'est un animateur. Your lordship seems strangely unconcerned. I'm confident your suspicions are wrong, Sergeant. We don't commit murder up here. We're a deeply religious people. Religious? With ruined churches. No ministers, no priests. And children dancing naked. They do love their divinity lessons. But they are naked. Naturally, it's much too dangerous to jump through the fire with your clothes on. What religion can they possibly be learning? Jumping over bonfires? Parthenogenesis. What?
literally, as Miss Rose would doubtless say in her assiduous way, reproduction without sexual union. Oh, what is all this? I mean, you've got fake biology, fake religion. Sir, have these children never heard of Jesus? Himself the son of a virgin, impregnated, I believe, by a ghost. Do sit down, Sergeant. Socks are so much better absorbed with the knees bent. Please. Now, those children out there, they're jumping through the flames in the hope that the god of the fire will make them fruitful. Really, you can hardly blame them. After all, what girl would not prefer the child of a god to that of some acne-scarred artisan? And you encourage them in this? Actively. It's most important that each new generation born on Samarau be made aware that here the old gods aren't dead. And what of the true god, whose glory churches and monasteries have been built on these islands for generations past? Now, sir, what of him? He's dead. He can't complain. He had his chance, and in modern parlance, blew it.
Daisy, pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, ce que le mât de mai représente? Vraiment, Daisy, on te l'a pourtant assez répété. Moi, je sais. Très bien, alors n'importe laquelle. C'est phallique comme symbole. Tout à fait, c'est le symbole phallique. Très bien. C'est l'image du pénis qui est vénérée dans des religions comme la nôtre, car il symbolise les forces génératrices qui font la nature. C'était donc un montage effectué par le docteur Moreau. Merci Antonin d'avoir travaillé et d'avoir préparé cette émission. Ce qui me donne l'occasion de te laisser présenter The Wicker Man, qui sort dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torré, film qui était déjà sorti chez Canal en DVD, notamment dans la collection Cinéma de Quartier. Oui, bah moi c'est comme ça que je l'avais. C'est comme ça qu'on a découvert le film, de toute façon, évidemment. C'est vrai qu'il faut revenir quand même. C'est Jean-Pierre Dionnet qui rebalance le film. C'est dans les années 90 dans son Cinéma de Quartier. Ouais, je pense que ça devait être ça, les années 90 où il passe sur Canal. Je sais pas comment il rencontre le film, mais en tout cas c'est un film qui en France n'a pas eu une exploitation et extrêmement développé. C'est quelle année ça, The Wicker Man? C'est dans les années 70. Voilà. Quand il est sorti, de toute façon, il est massacré par complètement. Par les distributeurs. Et il sort ça, en tout cas, Dionnet, dans sa case sur Canal, et puis après dans la collection DVD qui est accompagnée de plusieurs autres ce qu'on appelle vraiment les OFNI, quoi, les objets filmiques non identifiés. Il y avait là-dedans Incubus, Le Couvent de la Bête Sacré, à beaucoup de films. Et moi, j'ai l'impression que The Wicker Man, moi, qui est un film que j'adore complètement, ça fait partie parmi les ovnis d'un des rares films complètement réussis là-dedans. C'est-à-dire qu'un film qui ne vaut pas uniquement pour sa profonde originalité, parce que souvent, c'est le cas. On a des films qui sont profondément originaux, mais qui vont être vraiment très, très bien ou très opérants à l'occasion de 4-5 scènes et qu'au final, on se fait un peu chier. Là, moi, The Wicker Man, ça fait partie des films qui sont complètement uniques en leur genre, que je trouve réussi de bout en bout, même si je tempérais le terme réussi, parce que j'ai presque l'impression que c'est un chef-d'œuvre par mégarde, ce film. C'est que c'est un film qui sûrement est aussi bien parce qu'il a échappé à son metteur en scène et à son scénariste que parce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est un film qui n'est pas trop connu, j'ai l'impression. Qui a refait parler de lui un petit peu l'année dernière ou il y a deux ans, parce que Midsommar de Ari Aster s'en inspirait beaucoup. Quelques années avant ça, le Fist l'avait projeté comme marraine aussi. Évidemment, et c'est pour ça qu'il a retrouvé une sorte de superbe, évidemment. Mais c'est un film, on en a reparlé à l'occasion de Midsommar, mais ça serait assez faux d'en faire un film jumeau. C'est-à-dire que je crois que c'était Discordia qui avait consacré un épisode, le podcast Discordia, à ce sous-genre du film d'horreur qu'on appelle la folk horror, c'est-à-dire ce récit d'horreur qui se passe dans un environnement un petit peu païen, on va dire, pour aller vite. Qu'est-ce que ça raconte, The Wicker Man? Ça raconte l'histoire d'un policier, le sergent Howie. On est en Angleterre et lui, il va aller dans une île. Oui, voilà, en Angleterre, c'est ça. Qui va aller à... Rappelle-toi, Braveheart. qui va aller dans une petite île au large de l'Écosse parce qu'on lui a signalé par une lettre anonyme la disparition d'une jeune fille. Et il va se retrouver sur cette île-là, en sachant que le sergent Howie est montré comme quelqu'un de limite bigot, à une sorte de mur d'incompréhension un peu goguenard, c'est-à-dire que tous les habitants de l'île vont lui dire qu'ils ne savent pas du tout de quoi il parle, mais tout en rigolant un petit peu. Donc il va se rendre compte qu'il y a quand même une sorte d'entente entre tous les insulaires qui fait qu'il va être dans une sorte de complot de toute l'île. Et il va bientôt, après, au bout d'un moment, comprendre que si cette jeune fille a bien disparu, que finalement elle est tout simplement morte, mais il va pas savoir pourquoi. Et un des premiers apports, un des premières très très grandes originalités de ce film, c'est que c'est un film de complot. C'est-à-dire, dans les films de complot, on peut citer Polanski en tête, hein, c'est-à-dire par exemple Le Locataire, quelqu'un qui va arriver, un personnage qui va arriver dans un environnement relativement a priori normal, où les masques peu à peu vont tomber et on va se rendre compte que tous les protagonistes, les différents protagonistes, mènent un complot contre le protagoniste principal. C'est le cas de Rosemary's Baby, c'est le cas du Locataire, et on est dans un genre une vraie sous-genre, hein, de l'histoire du cinéma. Mais la grande différence, c'est que dans Midsommar, les membres du complot paraissent beaucoup, enfin dans Wicker Man, les membres du complot paraissent beaucoup plus sympathiques que celui qui en est victime. C'est-à-dire que tous les insulaires, le sergent va se rendre compte que on n'est plus en terre chrétienne, c'est que les rites, ils vont à, c'est des gens qui vivent dans une sorte ils ont leur propre religion, dans une propre religion de type
comprendre qu'il soit pas en train d'enseigner l'enseignement du Christ. Enfin, il a ce côté justement assez désagréable parce qu'il essaye d'imposer lui-même sa religion, sauf qu'il est seul. Donc, il devrait peut-être avoir la sympathie du spectateur parce que c'est l'homme seul contre tous finalement. Mmh. Et on sent bien que les autres lui cachent quelque chose. Donc, il devrait normalement avoir cette sympathie du spectateur. Sauf que ce type est tellement justement, il a un tronc d'arbre dans le cul. Mmh. Il cherche à imposer sa religion. Il parle du Christ, il parle de Jésus, alors qu'au départ, on nous montre quand même une religion qui, parce que c'est vraiment une croyance qu'ils ont, ces gens, qui célèbrent la vie, et pas de manière beaucoup plus absurde que le christianisme. Et c'est surtout de beaucoup plus joyeuse, parce qu'ils sont dans une célébration religieuse de la vie qui passe par le sexe, principalement, par beaucoup de rituels animistes qui sont basés sur des rites de procréation, des rites de fertilité. Voilà, on est dans un rapport beaucoup plus proche de la nature et surtout beaucoup plus proche de l'idée de la jouissance, alors que lui est très victorien. Ça, quoi. Mmh. Et c'est la fête, c'est constamment la fête, c'est son premier passage par le pub, sa première nuit sur l'île. C'est le pub, c'est la fête. Alors en effet, tous ces villageois, ils se foutent de sa gueule, clairement. Quoi. En même temps, ils font la fête. Et puis on retrouve du coup une séquence qui pourrait venir de Calvaire aussi, de Fabrice Duvel, mmh. ou d'un truc un peu... malaisant, mmh. mais en même temps ils rigolent, ils s'amusent ces gens et puis ils célèbrent la vie constamment en effet quoi, ils ont envie de partager tout ça mais en même temps ils se jouent de lui, mais ce type là n'attire pas la sympathie. Non, pas du tout, on est vraiment dans un rapport où les personnages, voilà, tous ces personnages des insulaires nous paraissent immédiatement sympathiques au départ, et là où c'est, moi je sais que c'est un film qui produit à chaque fois une très grosse impression sur moi, que je trouve profondément inquiétant, à la fois très 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 joyeux pour tous les côtés qu'on vient de dire, et profondément inquiétant. Et c'est vrai que moi, il y a toujours je me dis toujours, mais les films avec les scènes masquées les plus flippantes que je connaisse, je vais toujours dire The Wicker Man en premier. C'est-à-dire qu'il y a le film dans son dernier acte va se passer pendant les rituels du 1er mai, donc très important, arrivée du printemps et compagnie, et tous les habitants de l'île vont se masquer pour accomplir leurs différents rituels. Hein, ils vont traverser c'est le carnaval. La ville. Et ils ont tous des masques d'animaux. Et on est dans... Moi, c'est des images que je trouve les plus, non pas effrayantes, mais les plus inquiétantes que je connais au cinéma de gens portant des masques. Et du coup, moi, je me suis interrogé un petit peu là-dessus et je me dis, mais c'est fascinant parce que du coup, ça correspond avec tout ce qu'on disait auparavant. C'est que là, on est dans un film de complot, pareillement, où tous les personnages qui font partie du complot ne sont absolument pas masqués. Au début, on va dire que la base du film de complot, c'est que les membres du complot avancent masqués. C'est que à la fin de Rosemary's Baby, on voit bien que derrière le masque de la normalité apparente du petit immeuble, c'est des créatures un petit peu hirsutes, satanistes et tout ça. Là, pas du tout. On est vraiment à la limite. C'est pas, ils sont pas du tout masqués pendant le film. Et quand on va arriver à un certain degré d'avancée du récit, là ils vont porter un masque, il va y avoir un truc où ça va devenir un peu plus inquiétant, et c'est un côté c'est le film, c'est pour ça que je disais c'est presque un chef-d'œuvre par mégarde, c'est que il y a Robin Hardy vient du documentaire a priori, et le film dans son filmage, on va dire qu'il est presque profondément athée, dans le sens où il est complètement réaliste, presque documentaire. On pourrait presque croire qu'on est dans une sorte de vision qui peut et en fait, apparaître comme toutes les visions un petit peu psychédéliques qu'il va y avoir, visions fantastiques, sont toujours assorties au regard du personnage principal qui, lui, voit ces scènes-là dans une optique complètement, on va dire, babylonienne. C'est-à-dire que lui, il voit la décadence d'une société. Voilà. Mais tous ces écarts formels par rapport à un dogme qui serait plus documentaire sont assujettis à la vision du personnage principal. Mais sinon, on est dans une sorte de rapport plutôt réaliste et documentaire à ça. Et il y a toute une... C'est presque une étude comparée, en fait, de deux religions. C'est-à-dire qu'en fait, le film, il est considérablement... il est complètement athée, même, parce qu'à aucun moment, il n'accrédite la vision catholique ou la vision païenne des choses. Il ne va pas du tout les accréditer. Encore que le discours de la religion païenne paraît beaucoup plus sensé, même que les arguments avancés par Oui, il
paraît plus sensé quelque part, mais en fait, il y a une sorte d'inversion. C'est-à-dire que, par exemple, le sergent Howie, lui, a un tabou absolu, celui de la religion catholique, c'est le tabou du sexe. Voilà. Il est encore vierge. Comme Jésus, il est né d'une religion, il est né d'une mère, mais qui n'a pas eu de rapport sexuel. Lui, le sexe, c'est le tabou. Dans la religion païenne, la mort, c'est le tabou. C'est-à-dire que la mort, ça voudrait dire la fin de quelque chose. Et eux ne fonctionnent que par cercle. C'est-à-dire que la mort, supposément, elle n'est que le début, un recommencement. Ce n'est que l'automne des choses. C'est le moment où on meurt et puis après arrive le printemps. Mais la mort n'existe pas, c'est le tabou absolu. Donc il y a plusieurs scènes qui accréditent ce truc-là en disant bah non, nous, on ne peut pas dire qu'elle est morte, c'est pas possible, ça n'existe pas la mort chez nous. On ne renaît. Qui n'apparaissent pas comme un exposé des Complètement religions. Complètement pas. Non. Ça intervient de façon assez naturelle, entre guillemets. Complètement. Vraiment, c'est dans l'enquête. Donc bien sûr, quand je dis que c'est une étude comparée, c'est qu'effectivement, le film n'est pas du tout un pensum, pas du tout. Mais par contre, en termes d'analyse, je le trouve absolument passionnant parce qu'on est vraiment dans ce rapport-là où les deux films, les deux parties qui sont en présence vont toujours se poser la question de la transcendance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est persuadé que l'acte de la mort, il est transcendantal, c'est qu'il faut absolument les sanctifier. C'est-à-dire qu'il faut absolument enquêter sur la mort de quelqu'un qui est là. Le sexe n'existe pas en train dans un lieu hors que le mariage. Il est dans un rapport transcendantal. Le film s'ouvre sur une Eucharistie, c'est-à-dire qu'il a mangé le corps du Christ, il a à travers l'hostie, et qu'on sait que l'Eucharistie, c'est vraiment le rapport transcendantal total, c'est-à-dire on mange un bout d'hostie, mais on mange le corps du Christ, cet acte de cannibale très religieux, et tous les autres sont dans un acte transcendantal, c'est-à-dire que chaque rapport avec la nature va être est supposé être transcendé, en tout cas signifie à chaque fois un rapport à quelque chose de plus grand, de plus transcendantal, de plus religieux. Le pénis. Mais à aucun moment, le pénis, tout ce qui pourrait être très vulgaire, dans la mise en scène, c'est filmé très, on va dire, de façon documentaire, mais à chaque fois, les personnages qui sont là, eux le voient de façon transcendantale. Mais nous, on n'a pas forcément accès à ça. Encore que c'est pas forcément vrai toujours. Je sais qu'en le revoyant, je me suis dit, il y a deux, trois passages, on est à deux doigts de la comédie musicale, en fait. Ah oui. Juste avant la séquence, justement, où on a entendu un extrait, où il va à l'école et il découvre le cours qui est donné aux jeunes filles, on a une séquence de comédie musicale pure, le final même du film. On est à deux doigts de la comédie musicale, justement. Il y a tout le village qui danse et qui chante face à... C'est un carnaval. Carnaval, mais même en termes de mise en scène, c'est-à-dire de faire durer, justement, je pense à ce moment au milieu du film, hein, juste avant l'école, cette chanson à la gloire du pénis, qui est très très chouette, avec les enfants qui dansent autour, voilà, enfin, c'est pas la gloire du pénis, hein, c'est une chanson, une comptine. Ouais, c'est sur un mad, En termes de mise en scène, le fait de faire durer cette chanson, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un élément extérieur, comme il y en a plusieurs dans le film, où il découvre justement des petites cérémonies en préparation de cette grande fête du 1er mai. Mais en termes de mise en scène, on est à deux doigts vraiment de juste regarder, paf, on laisse un grand pan comme ça à une chanson, à une danse, à une chorégraphie qui laisse penser justement, tiens, on est dans une comédie musicale, c'est-à-dire que même en termes de mise en scène, mais qui du coup s'accorde presque à cette religion, c'est-à-dire qu'elle l'appuie, la mise en scène est vraiment du côté de cette religion païenne à un moment. C'est pour ça que moi j'étais beaucoup moins inquiété, c'est vrai qu'en revoyant le film j'étais du côté de cette communauté, en fait, et j'y voyais quelque chose de solaire, j'y voyais quelque chose de célébration de la vie, et j'avais presque envie à la fin de me dire ouais bah tiens, pourquoi pas essayer un sacrifice. Après on sait jamais, ça peut fonctionner, quoi. Il y a un moment, Christopher Lee qui joue le lord, donc le gourou, parce que c'est pas vraiment un gourou encore que, mais voilà, le lord qui contrôle tout ça, doit avoir un discours comme ça en disant bah écoute, jusqu'ici on sacrifie des animaux, on sacrifie des machins, ça fonctionne pas, on va essayer un plus gros truc, peut-être que ça va marcher. Et j'ai envie de dire ouais, pourquoi pas. Mais moi je pense que le film, hein, et je pense que ça c'est vraiment dans l'écriture du scénario, et je pense que ça se ressent en termes de mise en scène, même si c'est relativement discret, clairement c'est presque le procès, si on devait appliquer un message au film, c'est le procès de deux fanatismes, hein, parce qu'à la fin, clairement, dans le visage vraiment inquiet de tous les membres du village qui sont là, qui ont fait toute leur machination pour justement arrêter cette crise de fertilité, il y a clairement une inquiétude par rapport à quelque chose d'un
un divin qui serait méchant, la même en tout cas qui est celle du sergent Howe, qui est dans la crainte de Dieu permanente. Et on a ça. Il est temps malheureusement d'arrêter notre débat sur les religions. Pourtant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de discussion et j'aurais bien continué, mais on doit s'arrêter. Je rappelle que Le Pays de la Violence est sorti dans un joli coffret chez Sidonis et que The Wicker Man est disponible, lui, dans la collection Make My Day chez Studio Canal. Nous allons nous quitter avec un extrait de je ne sais plus quoi, c'est toi qui as préparé cette émission. Moi non plus, j'ai oublié. Merci Antonin d'avoir fait tout ce travail d'ailleurs à ma place. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis le lien sur les réseaux sociaux pour la réécouter comme vous l'entendez. Il y en a d'autres d'ailleurs sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort, allez-y. Faites-vous plaisir, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, qu'on pourra techniquement le faire en fait. Merci à vous de nous avoir écoutés, on se quitte donc. Antonin, tu as retrouvé... Encore un extrait de The Wicker Man parce que j'adore ce film. Très bien, merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt, ciao. Des bisous. What you do, you can't change the fact that I believe in the life eternal as promised to us by our Lord Jesus Christ. I believe in the life eternal as promised to us by our Lord Jesus Christ. That is good. For believing what you do, we confer upon you a rare gift these days, a martyr's death. You will not only have life eternal, but you will sit with the saints among the elect. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man.